il aurait dû avoir un écart parce que entre guillemets au classement ils sont 5e, mais après ça reste quand même une très belle équipe avec des joueurs qui ont joué presque pas mal en D1, etc. Donc c'est une équipe qui est vraiment plus d'expérience que nous. Ils sont tous plus vieux que nous, ils s'entraînent moins, mais ils ont plus d'expérience. Je pense que c'est un échec quand même d'avoir fait un match nul parce que du coup Rouen ils reviennent à un point de nous. De toute façon, même si. Ouais, de toute façon, même. Même si on avait perdu ou gagné au match nul, il aurait fallu aller gagner à Rouen. Donc dans tous les cas, il faut qu'on gagne Rouen si on veut monter, enfin, si on veut être premier au moins. Ah bah maintenant, c'est eux les concurrents directs, parce que Vernon, ils sont à 6 points, je crois. Je pense que s'ils veulent monter, il faut que ça veut dire qu'ils doivent tout gagner, que Rouen doivent perdre des matchs et nous aussi. Donc c'est soit nous, soit Rouen. Et on les joue le prochain match. Donc celui qui gagne, normalement, il va, c'est un peu comme une finale, quoi. Puisque si... Après, il restera 4 matchs et une fois qu'on a gagné ce match-là, il faut ne pas faire de faux pas derrière. Quoi. Au début de l'année, c'était un peu ça. On avait du mal à, quand on pouvait entre guillemets planter le couteau à 5-6 et aller jusqu'à 10 et finir le match. Là, on a eu du mal et puis eux, ils ont changé de défense, ça nous a un peu perturbés. Ils ont marqué beaucoup de contre-attaques avec Charlie Sosou, là, qui on le savait, marquait beaucoup sur jeu rapide. On n'a pas su, prendre le moment où il fallait. Je crois que si j'ai bien analysé entre guillemets, ils ne sont pas passés une seule fois devant nous. Il me semble qu'on a toujours été devant le score et au final on fait match nul. On a failli même prendre un dernier but à la fin. Donc c'est un peu dur pour toute l'équipe. Mais dans tous les cas, même si on avait gagné, il aurait fallu aller gagner à Rouen. Donc c'est peut-être un mal pour un bien en se disant il faut se remobiliser. Déjà je trouve que c'était un point positif parce qu'au vu du début de match, etc., on a quand même rebondi par rapport à la défaite qu'on avait prise contre Vernon. Donc ça c'est un petit point positif. Après le match nul, c'est vrai que c'était pas dans nos attentes. Mais